mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous présenter Franck Mirou, professeur d'anglais à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui, comme tous les ans, est partenaire de cette très belle manifestation « Les idées mènent le monde », parce que, justement, l'université est un des lieux privilégiés pour faire naître, pour faire évoluer les idées. Et Franck Mirou, il vous emmènera loin, en Amérique du Nord, et je lui passe le micro et je vous souhaite une très belle conférence avec lui. Merci Caroline. Bien, merci d'être venu. Je suis content de voir qu'il y a encore pas mal de personnes intéressées par les questions d'autochtonie, qui sont des questions qui me passionnent et j'aimerais partager donc cette passion avec vous aujourd'hui. Et comme la thématique était croire, bien je me suis dit finalement les communautés autochtones d'Amérique du Nord, après des siècles de spoliation, puisque c'est de ça dont il s'agit, on va le voir, ont-elles encore des raisons de croire ou la possibilité de croire en des perspectives d'avenir? Et je vais essayer de vous montrer que oui. Je vais essayer dans un premier temps de vous parler de ce qu'ont perdu les peuples autochtones au Canada et aux États-Unis, et dans un deuxième temps de vous montrer comment des initiatives extrêmement modernes qui sont nées dans les années 70 et dont d'autres sont plus récentes, participent à cette réappropriation des cultures, des langues, mais des économies également. On va essayer de faire un panorama. Je ne vais pas rentrer dans des détails extrêmement scientifiques, mais vous faire un panorama de cette situation et vous donner envie, j'espère, de vous documenter et de lire sur ces sujets qui sont des sujets passionnants, mais qui sont aussi des sujets d'actualité, puisqu'on va voir qu'ils ont trait notamment à l'environnement. Dans de nombreux cas. Je voulais commencer juste avec un bref rappel historique pour qu'on sache bien de quoi on parle. La colonisation des Amériques, pour le Canada, ça commence en 1534 avec le premier voyage de Jacques Cartier. C'est le début de ce qu'on appelle l'aventure de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, comme vous le voyez sur la carte, c'est un territoire immense. C'est un territoire qui part du nord du Québec et même du Labrador et qui va jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Le Canada est une partie de la Nouvelle-France et c'est une aventure qui dure de 1534 à 1763. Les premiers peuplements stables et permanents de la Nouvelle-France ne remontent pas au voyage de Jacques Cartier. Il faut attendre le début du XVIIe siècle, 1608, la création de Québec par Samuel de Champlain, pour voir des installations permanentes en Nouvelle-France le long du Saint-Laurent. En 1763, pourquoi ? Parce que c'est la fin de la guerre de Sept Ans. Et à la fin de la guerre de Sept Ans, la France, l'Espagne et l'Angleterre signent le traité de Paris et se redistribuent leurs colonies dans les Amériques, à la faveur des Anglais largement. Et c'est là que la France va céder le Canada aux Anglais, en 1763. Je ne vais pas vous parler beaucoup de la Nouvelle-France parce que finalement, c'est une colonie qu'on appelle colonie d'exploitation. Les colonies d'exploitation sont des colonies dans lesquelles on a besoin d'exploiter une ressource, le commerce des fourrures en l'occurrence en Nouvelle-France. Et pour exploiter le commerce des fourrures, on est bien obligé de collaborer avec l'Indien à l'époque. Donc l'impact de la colonisation française au Canada est réel, mais il est assez minime, puisque les compagnies qui exploitent la fourrure ont à cœur de préserver les modes de vie traditionnels des communautés autochtones, parce qu'ils ont besoin que les autochtones continuent de chasser, donc continuent de mener une vie nomade, pour leur fournir les fourrures qui constituent un enjeu économique considérable au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ça crée d'ailleurs des tensions avec les missionnaires, les jésuites notamment, qui eux veulent sédentariser à tout prix les communautés autochtones pour les évangéliser. Donc c'est une période sur laquelle nous n'allons pas trop nous étendre parce que les pertes ont été minimes pour les communautés du bord du Saint-Laurent. Les communautés autochtones du reste du Canada n'ont pas été impactées du tout puisque les Français ont limité leur peuplement sur la rive qui va de Tadoussac jusqu'à Montréal. Les colonies anglaises, il en fut tout autrement des colonies anglaises. Les colonies anglaises, donc, vous les voyez en rouge sur la carte, ce sont les 13 colonies le long de la côte atlantique et ce sont des colonies de peuplement ou des colonies de plantation dans les Carolines, mais des colonies de plantation qui ne font pas appel à la main-d'œuvre autochtone, qui font appel à une main-d'œuvre importée, via la traite des esclaves, bien sûr, puisque les populations autochtones sont très peu coopératives, en l'occurrence, pour travailler sur les plantations de coton ou de canne à sucre. Et comme ce sont des colonies de peuplement, quand on crée une colonie de peuplement, on a besoin de quoi ? De faire de la place. Et pour faire de la place, il faut exproprier, il faut repousser les populations autochtones qui peuplent déjà les territoires convoités. Donc, la colonisation anglaise,
anglaise de la côte atlantique est une colonisation qui, dès le départ, consiste à repousser les Indiens et les communautés autochtones vers l'ouest. D'ailleurs, l'histoire des États-Unis, on va le voir, hein. Je vous ai mis la carte ici qui montre la manière dont la frontière américaine s'est déplacée entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. C'est une frontière qui s'est déplacée progressivement vers l'ouest, au détriment, bien sûr, des populations autochtones qui ont été spoliées de leur territoire, qui ont été déplacées, qui ont été massacrées parfois, exterminées pour certaines, comme nous allons le voir. Le Canada, pour terminer, donc pour venir après 1763 et la cession du Canada, le Canada, en 1763, devient une colonie anglaise. Le roi George III promulgue une proclamation qui s'appelle la Proclamation royale, dans laquelle il envisage la création d'une réserve indienne. La réserve indienne, j'ai dû passer la carte. Mon PowerPoint n'était pas très au point. Oui, la grande réserve indienne, vous la voyez là, hein, elle couvre tout ce qui est l'Ohio jusqu'à la Floride quasiment. Le roi George III promet de protéger les terres autochtones des colons, notamment les colons des 13 colonies le long de la côte atlantique. Or, c'est une garantie qui ne va pas durer longtemps, hein, puisqu'en 1812, il y a une guerre qui va opposer les États-Unis. Les États-Unis deviennent indépendants en 1783, à la fin de la guerre d'indépendance. La guerre de 1812 oppose le Canada aux États-Unis. Et une fois le traité de Gand signé en 1814, il n'y a plus de menace pour les Canadiens, pour les Britanniques, hein, puisque le Canada est encore une colonie britannique. Il n'y a plus de menace américaine, donc il n'y a plus de raison de former des alliances avec les tribus indiennes. Et la politique du Canada va complètement changer vis-à-vis des autochtones. On va cesser de traiter les peuples autochtones comme des égaux. On va cesser de conclure des traités de nation à nation pour les traiter comme des nations domestiques dans le meilleur des cas, ou comme des sous-citoyens, on va le voir, la plupart du temps. Donc, quelles sont les pertes et les spoliations vécues ou subies par les populations autochtones? Eh bien, dans un premier temps, il s'agit d'une dépossession foncière. Il faut bien comprendre que les questions d'autochtonie, où que ce soit dans le monde, pas uniquement en Amérique du Nord, sont liées au départ au territoire et à la terre, au droit foncier. La première spoliation, c'est une perte de 98% des terres que les autochtones occupaient au Canada et aux États-Unis. Ils ont perdu 98% de leurs terres. Comment cette politique s'est-elle mise en place? Eh bien, elle a pris la forme de déportation des populations au départ, la plus célèbre étant la piste des larmes, qui est la déportation des Indiens Cherokee dans les années 1830. En 1830, le Congrès américain va voter une loi qui s'appelle la loi sur le déplacement des Indiens, Indian Removal Act, qui va donner le droit au gouvernement de déplacer les populations autochtones, de négocier le déplacement des populations autochtones qui peuplent l'est du Mississippi. Il faut comprendre qu'à l'époque, le Mississippi marque la frontière. Tout ce qui est à l'est du Mississippi, c'est la civilisation. Tout ce qui est à l'ouest, c'est ce qu'on appelle the wilderness en anglais, c'est-à-dire l'inconnu, la sauvagerie, l'endroit habité par le sauvage qui fascine, mais qui répugne à la fois. Il y a ce mélange de fascination et de répulsion qui est quasi permanent. Le déplacement donc de nombreuses tribus, parce que les Cherokees sont l'exemple le plus célèbre, hein, la piste des larmes, beaucoup d'entre vous en auront entendu parler, mais également des Apaches, des Comanches, hein, de tout un tas de populations autochtones. La deuxième politique qui est mise en place au 19e siècle par les États-Unis est la politique des traités. Mais la politique des traités, c'est une politique du leurre, on le sait bien. Hein, la manière dont les traités sont négociés, la manière dont ils sont mise en œuvre ensuite, repose sur la duperie, la tromperie de l'Indien. On s'adresse à des populations qui ne maîtrisent pas l'écriture. On négocie des traités oralement. On écrit souvent autre chose que ce qui a été négocié dans le traité. Le Congrès américain modifie le traité sans prévenir les signataires membres des communautés autochtones. Et le traité fait force de loi à la faveur, bien sûr, des États-Unis dans la totalité des cas. Cette politique des traités va durer jusque dans les années 1870. Et à partir des années 1870, le gouvernement américain va estimer qu'elle est trop coûteuse en termes de promesses faites aux Indiens qu'il convient de tenir et va mettre en place une politique de la réserve, c'est-à-dire une politique de sédentarisation forcée des peuples autochtones, notamment dans les grandes plaines des États-Unis, qui vise à contrôler finalement les populations indiennes. On enferme les populations sur des réserves pour contrôler leur mouvement. Pour vous donner une idée des pertes, hein, je vous disais 98% des territoires. Cette carte des États-Unis, vous voyez en couleur les réserves indiennes à l'heure actuelle. Hein, c'est une image qui représente la situation en 2010. Donc vous voyez bien que les territoires occupés par les peuples autochtones aux États-Unis aujourd'hui constituent une portion minime
du territoire global des États-Unis. En 1887, il y a une loi votée par le Congrès américain qui va contribuer à la sédentarisation et à la dépossession foncière des Indiens. C'est le Dawes Act, la loi Dawes, qui prévoit de distribuer des lopins de terre aux familles indiennes pour encourager la pratique de l'agriculture. L'agriculture et la Bible, la civilisation par la Bible et la charrue, sont un leitmotiv au Canada et aux États-Unis dans, en ce qui concerne les politiques d'assimilation des peuples autochtones. Donc, cette politique consiste à leur attribuer des lopins de terre, à encourager la pratique de l'agriculture de manière à casser les structures collectives, les identités tribales, au profit de la notion de propriété individuelle, qui est une notion qui est complètement étrangère aux peuples autochtones, à la majorité des peuples autochtones à l'époque. La propriété est collective. Ça ne veut pas dire que la notion d'individualité n'existe pas chez les Indiens, ça serait faux. Mais elle est tout le temps liée, elle est indissociable de l'identité collective et de l'identité tribale. Et c'est ça que le gouvernement américain et, nous allons le voir, le gouvernement canadien ont essayé de détruire. Ces identités collectives qui étaient des noyaux de résistance, finalement, potentiels, dont il convenait de se protéger. La loi Dawes y a œuvré, puisqu'on attribuait un lopin de terre à chaque famille indienne et l'excédent de terre était vendu par le gouvernement américain à des colons blancs. Donc c'était encore une manière de déposséder l'Indien de ses droits fonciers. Au Canada, la situation, on dit souvent que le Canada, le Québec est la belle province et le Canada est un pays merveilleux par rapport aux États-Unis. Vous allez voir qu'en matière d'autochtonie et de politique autochtone, il n'en a rien été, puisque le Canada, finalement, a fini de traiter les populations autochtones comme des égaux dans la première moitié du 19e siècle pour mettre en place une politique des traités. Ça a commencé dans les années 1830 dans l'Ontario. On a signé 25 traités avec les populations du sud de l'Ontario. Et dans les années 1870, de 1871 à 1921, pour être plus précis, la signature de ce qu'on appelle les traités numérotés. Les traités numérotés, ce sont 11 traités signés avec les populations autochtones des périmètres géographiques qui intéressaient le gouvernement canadien, c'est-à-dire que le gouvernement canadien a choisi de ne pas proposer de traité aux populations autochtones qui occupaient des territoires qui, à l'époque, n'intéressaient pas le gouvernement, l'administration coloniale britannique et le gouvernement canadien, puisqu'en 1863, le Canada devient une confédération, un dominion, cesse d'être une colonie britannique. Donc on voit bien dans ces traités, qu'est-ce qui s'est joué dans ces traités ? Il s'est joué la spoliation foncière donc des communautés autochtones qui ont cédé leurs droits fonciers au territoire en échange de promesses, promesses d'une annuité au Canada, un versement annuel, promesse de la mise en place de structures éducatives pour aider les populations autochtones à accéder à l'indépendance. Et nous verrons que c'est le contraire qui s'est produit, puisque les écoles indiennes ont contribué à l'assimilation des Indiens plutôt qu'à leur émancipation, et la promesse d'outils agricoles pour encourager la pratique de l'agriculture. C'est une période qui correspond aussi à la destruction d'une économie, à une destruction économique. C'est la destruction des économies traditionnelles, par exemple l'économie du bison. Dans les grandes plaines des États-Unis, vous avez une carte qui vous montre le Midwest, toutes ces grandes plaines du Midwest, et au Canada, dans une région qu'on appelle les prairies canadiennes, qui correspond à l'Alberta, le sud de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Ces régions particulièrement fertiles étaient très attractives pour les colons blancs et on a particulièrement insisté sur la mise en place de politiques d'assimilation dans ces régions et sur la destruction d'une économie qui tournait autour du bison. L'économie du bison, c'est le stéréotype qu'on a de l'Indien chasseur, guerrier, à cheval. Et le bison, pour certaines communautés indiennes, représentait un moyen de vie, une économie sans laquelle ces communautés étaient détruites et c'est ce qui s'est produit. Et ces traités ont été négociés à une période où les bisons ont été exterminés volontairement par le gouvernement canadien et le gouvernement américain pour affamer les populations indiennes et pour les rendre dépendantes, parce que ce qui se joue finalement dans la destruction des économies traditionnelles, c'est une politique de la dépendance, une stratégie de la dépendance. La dépendance sur le plan de la nourriture, c'est-à-dire quand on prive des populations de leur source de nourriture et qu'on les affame, forcément, elles sont moins à même de résister. Mais la dépendance également, par l'introduction de l'alcool, ça, nous en sommes tous conscients, l'utilisation de l'alcool. Les Indiens d'Amérique du Nord ne connaissaient pas l'alcool.
Ce n'est pas le cas de la Mésoamérique où les Mayas et les Aztèques avaient des boissons alcoolisées, fabriquaient des boissons alcoolisées. En Amérique du Nord, ça n'existait pas. Donc l'introduction de l'alcool et l'introduction du sucre. Le sucre a joué un rôle essentiel dans la dépendance que les Européens ont créée parmi les populations autochtones. L'enseignante qui m'a initié aux études indiennes dit souvent le pire ennemi de l'Indien, ça n'a pas été l'armée, ça n'a pas été la famine, ça n'a pas été la maladie, ça a été le sucre. On verra pourquoi sur le plan sanitaire également. Cette destruction des identités est liée à cette dépossession foncière dont on a parlé. Il faut vraiment comprendre que quand on parle de peuples autochtones, surtout en Amérique du Nord, mais pas que, pas uniquement, le territoire et l'identité sont absolument indissociables. C'est-à-dire que l'Indien a une vision holistique du monde. C'est une vision où on ne peut pas dissocier le sacré du profane. On ne peut pas dissocier la vie quotidienne de la vie spirituelle et on ne peut pas dissocier la terre de la personne, l'animal du non-animal, l'humain du non-humain. Et cette vision holistique du monde suppose une intégrité des territoires. À partir du moment où les gouvernements canadiens et américains fragmentent les territoires indiens, ils fragmentent l'identité indienne parce qu'ils cassent les identités tribales, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, et ils introduisent une notion de la propriété foncière qui est absolument étrangère à la manière indienne de voir le monde. Une relation à la terre aux antipodes de celle qu'ont les communautés autochtones d'Amérique du Nord. Cette relation à la terre, elle est bien sûr spirituelle, ça nous le comprenons tous. Par exemple, chez les Indiens Hopi, qui vivent dans le sud-ouest des États-Unis, le mythe de la création, la cosmogonie des Hopi, explique que les Hopi ont surgi du centre de la Terre. Ils sont montés grâce à des échelles à la surface de la Terre, et dès qu'ils ont atteint la surface de la Terre, ils ont essayé de trouver le lieu d'harmonie, le lieu central, l'espace d'harmonie. Donc pour les Hopi, leur territoire, c'est leur harmonie, c'est leur centre, si vous voulez. Quand on les prive de leur territoire, on les prive de leur identité. On pourrait donner l'exemple des Inuits également. D'ailleurs, oui, j'ai pris cette photo l'année dernière. Je vous conseille, si vous allez dans le Colorado, il faut aller à Mesa Verde, hein, le parc national de Mesa Verde. Ce sont ce qu'on appelle les Cliff Palaces. Ce sont des villages Hopi qui sont construits dans la falaise, à même la falaise. Et on voit le système d'échelles. Et ce système d'échelles dans les villages Hopi n'est ni plus ni moins qu'une représentation de la cosmogonie, c'est-à-dire du surgissement, hein, du centre de la Terre. Les Hopi sont les enfants de la Terre. Les Déné, qui habitent le nord-ouest du Canada, Déné, leur nom dans leur propre langue, signifie les enfants de la Terre, le peuple de la Terre. Chez les Inuits, je lisais récemment ce remarquable livre de Sheila Watt Cloutier, The Right to be Cold, dans lequel elle explique que les Inuits ont le droit au froid, le droit à la glace, et que quand la glace disparaît, elle parle du réchauffement climatique, bien sûr, puisqu'elle milite pour la protection de l'environnement également. Le réchauffement climatique n'est pas juste une destruction du paysage dans lequel vivent les Inuits et de leur territoire, c'est une destruction de leur identité, parce que sans la glace, les Inuits ne sont plus les Inuits. Donc, il faut vraiment être conscient de ce lien indissociable entre identité et territoire. Donc, la dépossession de l'Indien de ses terres et la sédentarisation de l'Indien a créé, nous l'avons dit, une relation de dépendance et une destruction des identités individuelles et collectives qui menaçait la survie même de ces communautés. D'ailleurs, sur le plan démographique, c'est évident. Sur le plan démographique, on estime qu'à l'arrivée des Européens en Amérique du Nord, il y avait entre 10 et 15 millions, ce sont des estimations. Vous vous doutez bien que les colons n'ont pas compté de manière précise, recensé de manière précise les Indiens. On estime qu'il y avait entre 10 et 15 millions d'Autochtones aux États-Unis. Je ne parle pas du Canada, là, des États-Unis. 10 à 15 millions au début du XVIIe. Il en restait 600 000 environ en 1800 et 250 000 en 1890, à la fin des guerres indiennes. Ça vous donne une idée de l'ampleur de la destruction démographique, hein, en l'occurrence, de l'impact sur les communautés autochtones de ces politiques d'assimilation et d'expropriation. Et tout ça est lié, tout ça est absolument indissociable. Au Canada, on estime qu'il y avait entre 500 000 et 1 million d'Autochtones à l'arrivée des Européens. Il y en avait 100 000 en 1867 environ. C'est une estimation également. Ce déclin démographique est un déclin sans précédent, entre guerres, bien sûr, mais pas que les guerres. Les épidémies également, c'est ce qu'on appelle le choc bactériologique, c'est-à-dire le fait que les populations autochtones n'étaient pas immunisées contre certaines maladies importées par les Européens,
la variole notamment, mais la grippe tout simplement également, hein. Ce choc bactériologique a causé des destructions massives sur le plan démographique dans les communautés autochtones, et l'isolement de ces communautés, la fragmentation des territoires, a conduit également à une rupture des liens commerciaux et culturels, c'est évident, mais également à une rupture des échanges biologiques et génétiques entre les populations. Et nous savons tous que les populations survivent, s'améliorent et se renouvellent grâce à la diversité génétique et aux échanges génétiques. Donc la fragmentation des territoires indiens, c'est aussi, sur le plan génétique et sur le plan biologique, une manière de favoriser la disparition de l'Indien en Amérique du Nord et donc de faire de la place à des politiques de peuplement et d'exploitation des territoires qui autrefois appartenaient aux autochtones. La réserve indienne, d'ailleurs, la réserve est un territoire souvent isolé, parfois à l'extrême. Dans le Canada, dans le Grand Nord canadien, certaines réserves sont à 500-600 km de la route la plus proche, avec, nous allons le voir, très peu d'opportunités, très peu de perspectives d'avenir, notamment pour la jeune génération. Et cela crée tout un tas de problèmes sociaux, en termes de criminalité également, nous allons le voir. Mais cet isolement géographique et cet enfermement dans la réserve, hein, l'instauration d'un permis de se déplacer pour les Indiens au Canada dans la dernière moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle, ce système extrêmement contraignant et isolant pour l'Indien ont contribué également à la dégradation des identités autochtones et la dégradation biologique des peuples autochtones au Canada et aux États-Unis. C'est une désintégration qui est également culturelle, évidemment. C'est la désintégration d'un tissu social, notamment, la fragmentation des communautés, y compris au sein d'une même tribu. On a coupé des tribus entre le Canada quand les États-Unis ont accédé à l'indépendance. Le traité de Paris de 1783 a eu pour conséquence, notamment, l'abandon de certaines terres aux États-Unis par la couronne britannique. Ces terres étaient peuplées par des autochtones. C'étaient les mêmes terres qui étaient protégées par la proclamation royale du roi George III en 1763. On a abandonné à l'expansionnisme américain ces communautés autochtones du Midwest, en fait, hein, des États-Unis, et on les a repoussées sur des terres souvent impropres à l'agriculture, des terres extrêmement isolées et impropres à l'agriculture. La propriété privée, nous l'avons vu, n'avait pour but que d'encourager l'individualisme des communautés autochtones, hein, de casser l'esprit collectif, de casser l'esprit communautaire et donc de se prémunir contre des poches de résistance à l'expansion, à l'expansionnisme américain et à l'expansionnisme canadien. Parce que nous allons le voir, les États-Unis ont mené une conquête militaire de l'Ouest. Les Canadiens n'ont pas mené de conquête militaire. Il n'y a pas eu de conquête du Canada. Il y a eu une colonisation en apparence moins agressive, mais dont les conséquences ont été tout aussi destructrices que les guerres indiennes aux États-Unis. Il n'y a pas eu de guerre indienne au Canada, mais il y a eu des politiques extrêmement destructrices pour les communautés autochtones sur le plan social et sur le plan culturel. C'est aussi souvent l'imposition d'un système patriarcal, le modèle patriarcal européen, à des sociétés dont la plupart, pas toutes, mais la plupart sont matrilinéaires. Et quand on impose à une société matrilinéaire un système patriarcal, on casse la structure sociale et le fonctionnement social de cette société. On détruit les modèles sociaux. Et ça a des répercussions, bien sûr, sur le plan identitaire, à l'échelle collective, mais aussi à l'échelle individuelle. Un autre outil d'assimilation sur le plan social et culturel, ça a été la création des pensionnats indiens. Les pensionnats indiens sont créés dans les années 1870 aux États-Unis. La plus célèbre école indienne, vous avez une représentation sur l'écran, c'est l'école de Carlisle, en Pennsylvanie. Elle peut accueillir des centaines d'enfants indiens. C'est une école industrielle qui est censé favoriser l'assimilation des enfants indiens. Le mot d'ordre du fondateur de l'école de Carlisle et des pensionnats indiens aux États-Unis, qui était Richard Henry Pratt, c'est tuer tout ce qui est indien en l'homme pour sauver l'enfant. Tuer tout ce qui est indien en l'enfant pour le sauver, finalement. Je suis en train de traduire depuis l'anglais. Okay? Kill everything that is Indian in him to save the child, to save the man. Donc, on voit bien que les pensionnats indiens vont contribuer à une tentative d'effacement des cultures autochtones et des identités autochtones. Alors, les pensionnats indiens aux États-Unis, c'est les années 1870 jusqu'aux années aux années 30, sous l'administration Roosevelt, il va y avoir un infléchissement de ces politiques. Mais on va voir que dans les années 50, les républicains reviennent au pouvoir avec Eisenhower et mettent en place ce qu'ils appellent la politique de termination.
et d'urbanisation, termination. Il s'agit d'en finir avec le statut d'Indien. L'idée était de se débarrasser du statut d'Indien en encourageant notamment les jeunes Indiens à quitter les réserves et à se diriger vers les grands centres urbains. Ça a été catastrophique en termes, sur le plan social, en termes d'identité. Hein. On a déplacé de jeunes Indiens dans les grands centres urbains américains sans leur donner la possibilité, une possibilité d'intégration. Les conséquences ont été assez dramatiques. Au Canada, les pensionnats indiens, c'est les années 1870 et les derniers ont fermé en 1996. Donc vous voyez qu'on parle de choses très récentes. Hein. La plupart ont fermé dans les années 1970, mais dans les années 90, il y avait encore des pensionnats indiens qui fonctionnaient aux États-Unis. Au Canada, pardon. Vous suivez mieux que moi. Je vous ai mis une autre photo pour vous donner une idée de ce que faisaient ces pensionnats. C'est les fameuses photos before and after. Vous savez, comme les régimes pour maigrir avant et après. Ben, ce jeune Indien Navarro, le jour de son entrée au pensionnat, hein, et 2 ans après. Hein, vous voyez bien hein, le processus de transformation de l'Indien, sur le plan physique évidemment, mais on comprend bien que sur le plan culturel et social, il en allait de même. Les pensionnats indiens ont accéléré notamment la disparition des cultures et des langues autochtones. Hein, leur impact sur la perte des langues et des cultures est assez significatif. Les spécialistes partent d'un phénomène de perte accélérée des langues et des cultures autochtones en Amérique du Nord. On estimait qu'il y avait 300 langues autochtones parlées en Amérique du Nord avant la colonisation. Aujourd'hui, aux États-Unis, il en reste 175, dont la plupart ont moins de 20 locuteurs natifs. Donc sont amenés à disparaître. Si rien n'est fait 2050, hein, les spécialistes estiment qu'il restera une vingtaine de langues autochtones parlées par des locuteurs natifs aux États-Unis. Au Canada, il reste plus de 60 langues qui ont survécu aux politiques d'assimilation, mais le problème est le même. Dans certaines communautés, il y a tellement peu de locuteurs natifs pour transmettre la langue que si aucune politique n'est activement menée, notamment au niveau scolaire hein, et au niveau des structures éducatives, ces langues sont amenées à disparaître. Une perte des langues, une perte des cultures, et à travers la perte de la culture, bien sûr, une perte de l'estime de soi. Un dénigrement permanent hein, de la culture indienne ou des cultures indiennes, des cultures autochtones dans ces pensionnats. Tout ce qui est indien est à éradiquer, tout ce qui est indien est mal, et ces enfants ont grandi, plusieurs générations d'enfants indiens ont grandi dans cette honte de l'indianité, finalement, que les pensionnats indiens auront véhiculé. Cette politique également de l'assimilation par l'éducation est une politique de l'entre-deux, puisque la plupart des enfants qui sont sortis de ces pensionnats se sont retrouvés dans une position intermédiaire, une situation intermédiaire, où ils n'étaient pas prêts à être intégrés dans la société américaine ou la société canadienne, qui ne leur laissait pas de place, mais ils n'étaient plus prêts à se réinsérer dans leur communauté d'origine parce qu'ils avaient perdu tout un tas de savoirs, notamment tous les savoirs ancestraux, pratiques, tels que la chasse, la pêche, hein, par exemple. Ils ne parvenaient pas à se réinsérer ensuite dans les communautés autochtones, dont ils avaient une image souvent très négative, d'ailleurs, hein, l'image véhiculée par les pensionnats. Ces politiques éducatives assimilationnistes ont été couplées de mesures d'interdiction des pratiques culturelles et religieuses amérindiennes aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, les religions indiennes ont été interdites jusqu'en 1978 et le vote de l'American Indian Religious Freedom Act par le Congrès américain. Au Canada, il faut attendre 1951 pour que la loi sur les Indiens de 1876 soit amendée et permette à nouveau la pratique de certaines cérémonies religieuses, la danse du soleil notamment, et le potlatch, dont je vous expliquerai un peu plus tard ce dont il s'agit. Face à ces multiples spoliations et humiliations, il serait erroné de croire en une inertie des communautés autochtones des États-Unis et du Canada. De nombreuses formes de résistance, tantôt passive, j'aime pas trop cette notion de résistance passive. Plus je m'intéresse à ces questions, plus je me dis qu'il n'y a pas de résistance passive. Il y a toujours quelque chose d'actif. On appelle résistance passive le refus de coopérer ou d'être assimilé, par exemple. Mais résistance active, militantisme et action directe, ces formes de résistance témoignent d'un refus de l'assimilation de la part des communautés autochtones au Canada et aux États-Unis, d'un refus de l'effacement de leur culture et de leur peuple. À partir du XXe siècle, un mouvement pan-indianiste s'est développé tant aux USA qu'au Canada, pan-indianiste, c'est-à-dire réunissant des communautés autochtones diverses autour d'une même cause, la lutte pour la survivance de leur culture, de leur langue et de leurs identités. L'importance du pan-indianisme n'est plus à prouver au Canada et aux États-Unis dans la réappropriation de certains droits par les communautés autochtones.
Ça a commencé au début du XXe siècle avec la Society of American Indians aux États-Unis qui est créée en 1911. Au Canada, la League of Indians of Canada qui est créée en 1919. Et plus tard, dans les années 70, l'American Indian Movement, lors du mouvement des droits civiques aux États-Unis, et l'Assemblée des Premières Nations au Canada qui défend les droits des autochtones, First Nations, Premières Nations, Métis et Inuit au Canada. L'ironie, c'est que les Indiens qui ont contribué à la création de ce mouvement panindianiste et de ces sociétés de défense des droits ou de lutte pour l'égalité des droits des autochtones sont des produits des pensionnats indiens dont nous venons de parler. Donc ces pensionnats dont la vocation était d'assimiler l'Indien et de détruire les cultures et les identités indiennes ont finalement servi la cause inverse puisqu'elles ont formé des leaders qui sont maintenant capables de s'exprimer ou de créer des moyens d'expression pour faire valoir les droits de leur communauté. Et justement, on va essayer de voir, bon, je vous ai mis quelques exemples dans les années 70 de ces actions. L'American Indian Movement a mené tout un tas d'actions extrêmement symboliques, notamment l'occupation de Wounded Knee. Wounded Knee, c'est le siège du massacre, c'est le dernier massacre des guerres indiennes en 1890, c'est le massacre des Minikunyu à Wounded Knee. Les Minikunyu sont des Lakota, des Sioux, par la 7e cavalerie. En 1973, l'American Indian Movement a occupé Wounded Knee pendant un siège qui a duré 71 jours. On a envoyé le FBI, on a envoyé l'armée américaine contre eux. Tous les journaux, toutes les télévisions en ont parlé. Et ça a contribué à attirer une couverture médiatique et une attention du public sur ces questions qui passaient, pas totalement, mais qui passaient largement inaperçues aux États-Unis, en l'occurrence. L'occupation d'Alcatraz a été également extrêmement médiatisée par le American Indian Movement et une association autochtone étudiante dans les années 70. Quel type de réappropriation, donc ? Eh bien, la spoliation, vous vous rappelez, la spoliation initiale, elle est, nous avons dit, d'ordre foncier. Eh bien, le premier problème, c'est la restitution des terres et du droit à la terre. En 2017, sur la réserve Sioux Lakota de Standing Rock, un collectif a, pendant plus d'une année, défendu le territoire des Indiens Lakota contre la construction d'un oléoduc qui menaçait de polluer les réserves en eau potable des Indiens qui vivent sur des Indiens Oglala, Lakota Oglala, qui vivent sur la réserve de Standing Rock. Le droit à la terre, de toute façon, Et quelque chose sur lequel on observe des avancées majeures. En 1831, par exemple, les Cherokees, avant d'être déplacés de force par le gouvernement américain, comme je vous l'ai expliqué, ont attaqué l'État de Géorgie devant la Cour suprême des États-Unis. Ils ont obtenu gain de cause. La Cour suprême des États-Unis a décidé en 1831 de valider le principe de souveraineté tribale, c'est-à-dire le droit des tribus à décider pour elles-mêmes. Et la Cour suprême, cet arrêt de la Cour suprême a posé le fait que les tribus indiennes sont des nations domestiques souveraines aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elles sont gérées directement par le Congrès américain, par le pouvoir fédéral et non pas par les États. Le Indian Civil Rights Act, la loi sur les droits civiques des Indiens de 68, est allé dans le sens de la mise en place d'un processus d'autodétermination encore plus marqué pour les communautés autochtones et une redéfinition de l'étendue des juridictions tribales sur le plan territorial. Plus de pouvoir aux juridictions tribales sur les affaires de la réserve. En 1982, un autre arrêt de la Cour suprême, Marion contre la tribu Apache Ricaria, a réaffirmé le principe de souveraineté tribale et a permis aux tribus de taxer et d'imposer les activités des entreprises non indiennes qui ont lieu sur les réserves indiennes. Marion était une compagnie gazière et pétrolière qui a été du coup condamnée à payer les taxes et les impôts qu'elle devait à la tribu Apache Ricaria pour l'exploitation du sous-sol sur les terres réservées aux Indiens Apache. La question des titres autochtones et de l'extension des titres fonciers autochtones est donc une prérogative du Congrès aux États-Unis, une prérogative fédérale. Le problème étant que l'extension de ces titres, quand elle est décidée par le Congrès, a un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle permet de légitimer une occupation illégale des terres indiennes avant la décision du Congrès, avant la résolution du Congrès. Un exemple, en 1975, la loi sur l'élargissement du parc national du Grand Canyon du Colorado au détriment des Indiens Havasupai qui ont été expropriés pour permettre d'élargir le parc national du Grand Canyon.
et d'accueillir les touristes, bien sûr. En dépit donc de ces principes de souveraineté tribale et de droit à l'exploitation de leurs terres, les communautés autochtones ont toujours du mal à faire valoir ces droits. Hein, par exemple, à Standing Rock en 2017, toute cette mobilisation d'un an et demi n'a pas suffi, puisque l'oléoduc a tout de même été construit et on est en train de le remplir. Il est en train d'être rempli à l'heure actuelle. C'est une contestation qui était intéressante, celle de Standing Rock, parce qu'elle était d'ordre sanitaire, bien sûr, éviter la contamination des ressources en eau potable, mais également d'ordre économique et d'ordre religieux. C'est-à-dire que les sources souterraines dans la représentation que les Lakota ont de la relation à la terre, hein, ont une dimension spirituelle inviolable qui n'est pas compatible, si vous voulez, avec la mise en place d'un aqueduc qui est susceptible de les souiller ou de violer leur intégrité. On est toujours dans cette vision holistique du monde, si vous voulez, hein, où le territoire est indissociable de la spiritualité et de l'identité. Au Canada, qu'est-ce qu'il en est ? Bien, au Canada, les 11 traités numérotés régissent toujours les relations entre les communautés autochtones et leur accès au territoire, à la terre, pour celles qui ont signé les traités. Puisque nous l'avons vu, toutes les communautés autochtones au Canada n'ont pas signé de traités numérotés. Dans ces traités, elles ont transféré à la couronne britannique la propriété, le titre de propriété des terres indiennes, contre le versement d'annuités, nous l'avons vu. Le problème tient à l'interprétation de ces traités quant au droit d'utilisation des terres, qui est toujours très litigieux au Canada et qui fait l'objet de nombreux recours devant les tribunaux fédéraux de la part des communautés autochtones. Au Canada, dans les années 60, en 69, une voie supplémentaire dans la défense de droits autochtones a émergé lors de la publication du livre blanc par Pierre Trudeau, le père de Justin Trudeau était ministre des Affaires indiennes. Le livre blanc, c'est un projet de loi qui visait à se débarrasser du statut d'Indien au Canada également. L'idée était que les Indiens renoncent tous à leur statut d'Indien, ce qui permettait au gouvernement canadien de ne plus être tenu par les traités. S'il n'y a plus d'Indiens, il n'y a plus de traités. Donc les promesses qui sont faites dans les traités deviennent caduques. Un collectif donc, de militants pour la défense des droits autochtones, dont Harold Cardinal, qui est certainement le protagoniste le plus connu, ont répliqué en publiant un livre rouge, qu'ils ont appelé également Citoyen Plus, Citizen Plus, dans lequel ils ont réaffirmé la volonté d'autodétermination des communautés autochtones au Canada et l'accès à l'autogouvernance. Les Indiens ne veulent pas, en d'autres termes, renoncer à leur statut d'Indien, ils veulent conserver leur statut d'Indien avec des droits supplémentaires qui sont les droits tribaux et les droits coutumiers, notamment en matière d'exploitation des terres. Dans les années 90, un certain nombre de décisions de cours fédérales canadiennes sont allées dans ce sens, en réaffirmant les droits de pêche et de chasse, notamment de certaines communautés autochtones, notamment en Colombie-Britannique. Quand la Constitution du Canada a été rapatriée en 1982, la section 35 de la Constitution a inclus une clause sur le droit à la terre des autochtones. Elle reconnaît le droit à l'utilisation des terres, mais elle ne leur reconnaît pas de droit lorsqu'ils affirment la propriété de ces terres. C'est-à-dire elle ne reconnaît pas le droit à la propriété foncière des communautés indiennes, mais elle reconnaît tout de même, ce qui a été une avancée, un droit à l'exploitation et l'utilisation de ces terres. En 1973, une autre décision est fondamentale au Canada dans la relation entre les communautés autochtones et les territoires, c'est l'affaire Calder, la décision peuple Nisga contre couronne britannique, qui va reconnaître la valeur des titres autochtones des tribus qui n'ont pas signé un des traités numérotés. C'est-à-dire cette Cour fédérale va reconnaître que les tribus n'ayant pas signé de traité numéroté n'ont pas cédé leur titre foncier et sont par conséquent toujours propriétaires des terres qu'ils occupent. Or, les Nisga vivent en Colombie-Britannique. Mais l'impact a été significatif puisque la plupart des communautés indiennes qui n'avaient pas signé un des 11 traités numérotés se sont emparées de cette décision pour négocier de nouveaux traités qu'on appelle les traités modernes. Ça, c'était Perry Bellegarde, le chef de le,
American Indian Movement au Canada, mais ces traités modernes, si vous voulez, qui ont été conclus dans les années 70, vont donner de nouveaux droits, notamment sur le plan économique, aux tribus qui les ont négociés. Le premier a été signé en 75, c'est la Convention de la baie James et du Grand Nord québécois. Vous le voyez en rouge sur la carte. Il concerne un territoire, il couvre un territoire considérable sur le plan géographique, qui est peuplé par les Indiens Cris de la baie James et les Inuits du Nunavik. Le Nunavik, c'est la région Inuit du nord du Québec. En 1992, un autre traité moderne sera le traité conclu avec les Inuits qui aboutira à la création du Nunavut, c'est-à-dire le territoire Inuit autonome du Canada. Ça, c'est une photo prise lors de la signature de la Convention de la baie James avec les Cris et les Inuits du Grand Nord québécois. Et ça, c'est juste le drapeau du Nunavut, juste après sa création, donc en 99. Le traité est signé en 92, mais le Nunavut a été créé en 1999. Depuis, 25 traités modernes ont été signés au Canada par les communautés autochtones avec les gouvernements provinciaux et ou le gouvernement fédéral. 25 traités couvrant 600 000 km² de terrain qui ont été recouvrés par les populations autochtones au Canada grâce à la signature de ces traités. Ça ne veut pas dire que la situation de ces populations soit tout le temps facile. Par exemple, tout le monde, enfin, certains d'entre vous auront entendu parler de la crise d'Oka en 1990. En 1990, une entreprise veut construire un golf à côté de la ville de Québec sur un ancien cimetière Mohawk. Les Mohawks, ce sont des Haudenosaunee ou des Iroquois, on les appelle également les Iroquois. Bien sûr, la communauté Mohawk concernée s'est élevée contre la construction de ce terrain de golf. Il y a eu un conflit armé larvé pendant plusieurs jours qui a opposé l'armée canadienne à cette image avait fait le tour des journaux à l'époque à l'échelle internationale entre un soldat canadien et un combattant Mohawk qui défendait le territoire sur lequel le golfe devait être construit. Le gouvernement du Québec a fini par racheter les terres qui faisaient l'objet du litige pour empêcher la construction du golfe en 90, mais n'a toujours pas transféré la propriété de ces terres aux Mohawks à l'heure actuelle. On observe au Canada également plus récemment des mouvements tels que Idle No More. Idle No More, ça veut dire plus jamais inactif, plus jamais passif. C'est un mouvement qui a été créé à l'initiative de 4 femmes autochtones en 2012 pour protester contre une loi qui affectait la loi sur les Indiens et la loi sur les eaux navigables et qui était une violation finalement de la plupart des traités numérotés qui avaient été signés avec les communautés autochtones. Et ces 4 femmes ont créé ce mouvement sur les réseaux sociaux, et c'est un mouvement qui a gagné énormément d'importance, une attention médiatique qui a bénéficié d'une attention médiatique certaine, non seulement au Canada, mais dans d'autres pays du monde, qui a été couplée d'autres initiatives, par exemple celle des Nishi Walkers, les marcheurs Nishiyu. Ce sont de jeunes Indiens Cris qui ont parcouru 1600 km dans la neige depuis le nord du Québec, la Baie James, jusqu'à Ottawa, où ils ont organisé un blocus devant le Parlement canadien à Ottawa. Au même moment, ça c'est les Nishi Walkers lors de leur arrivée à Ottawa, au même moment, Teresa Spence, qui est une chef Cree, a entamé une grève de la faim de pratiquement un mois devant le Parlement canadien pour protester contre cette nouvelle violation des traités qui aurait été la conséquence de cette loi que le Parlement canadien envisageait d'adopter. Ce droit à la terre, donc, c'est aussi un droit, nous l'avons vu, il y a une spoliation, une destruction des économies traditionnelles, c'est un droit à l'économie. Dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, le droit à la terre et au développement économique sont considérés comme des droits indissociables et inaliénables. Le droit à la terre et au développement économique. Quel que soit le modèle économique choisi, il ne faut pas s'imaginer que les communautés autochtones choisissent toujours des modes d'économie dits traditionnels. Les Inuits, très souvent, oui, c'est le cas, vous voyez sur cette photo de cette famille inuite qui vit encore selon un mode de vie qui est proche du mode de vie de leurs ancêtres, mais il peut choisir de soi économique beaucoup plus moderne. Par exemple, ces danseurs Pueblo à Santa Fe qui surfent sur la vague du tout à l'indien, c'est-à-dire la popularité de tout ce qui est indien aux États-Unis et qui dansent pour les touristes à Santa Fe au Nouveau-Mexique.
toujours en parlant d'économie moderne, ça peut être des choix économiques liés à l'environnement. Liés à l'environnement, par exemple, à Essipit. Vous voyez cette réserve inuit d'Essipit qui surfe sur le tourisme lié aux baleines, puisque c'est un endroit du Saint-Laurent où on vient notamment pour observer les baleines, et qui vous promet une expérience inoubliable. Les Inus vous promettent une expérience inoubliable. C'est pas mal en termes publicitaires comme formulation. Mais également une économie qui peut être liée à l'exploitation de casinos. Vous avez entendu parler certainement des casinos indiens aux États-Unis, puisque aux États-Unis, les tribus indiennes ont droit d'opérer des casinos. Alors attention, ce n'est pas un droit individuel, c'est un droit tribal, c'est un droit collectif. C'est la tribu qui a droit d'exploiter un casino et non pas les individus. Et les bénéfices du casino sont reversés de manière extrêmement réglementée, ne peuvent pas être redistribués n'importe comment. Et d'ailleurs, il y a cette espèce du mythe du casino indien qui enrichit les tribus aux États-Unis qui est complètement faux. Il y a certaines tribus, effectivement, qui ont profité de ces casinos, mais on s'aperçoit que dans de nombreuses communautés, c'est l'effet inverse qui se produit, finalement. Ça dépend comment les bénéfices sont utilisés. Notamment les tribus qui reversent ces bénéfices à leurs membres sous forme de versement annuel par tête, en fait, ce qu'on appelle per capita payment. On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas vraiment parce que chez les communautés qui habitent des zones géographiques extrêmement isolées, une fois qu'on a versé cet argent aux familles ou aux individus, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils vont acheter une voiture, il y a beaucoup de concessionnaires de voitures à proximité des réserves indiennes qui vendent des vieilles voitures déglinguées aux jeunes indiens, ils vont dépenser ça en alcool hors de la réserve ou en drogue, et on sait qu'il y a des problèmes de drogue sur ces réserves souvent très, très isolées, où la jeunesse est assez désœuvrée. Ce qui marche plutôt quand on parle des profits des bénéfices des casinos, c'est le réinvestissement au profit des communautés, c'est-à-dire les tribus qui choisissent de réinvestir ces bénéfices dans des infrastructures sociales ou éducatives ou sanitaires. Toujours en parlant d'économie, de droit aux économies modernes, les cris de l'abbé James qui ont signé la fameuse convention en 1975 ont renégocié un nouveau traité en 2002 qui s'appelle la paix des braves. Ils ont négocié ce traité avec le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, qui est la société de production, la grande société de production hydroélectrique au Québec. Hydro-Québec avait pour projet de construire un barrage, a construit d'ailleurs un barrage, un barrage immense sur les terres appartenant aux cris de l'abbé James. Et en contrepartie, les cris de l'abbé James ont obtenu une compensation financière conséquente, 70 millions de dollars par an pendant 50 ans, et le droit à développer des activités d'exploitation forestière sur leur territoire. Ils ont même créé d'ailleurs leur compagnie Air Quebec, qui est une petite compagnie aérienne, mais qui vous montre, si vous voulez, qu'il ne faut pas rester dans le stéréotype de l'économie purement traditionnelle. Sur le plan social, il y a eu un rétablissement démographique très important également, puisque suite à la chute démographique, au fort déclin démographique, on observe maintenant une expansion démographique des communautés autochtones au Canada et aux États-Unis. C'est la minorité au Canada qui enregistre la plus forte croissance démographique, parce que le taux de natalité est relativement élevé parmi ces communautés. Il ne faut pas perdre de vue toutefois qu'il y a des grandes disparités entre les communautés. On ne peut pas mettre sur le même plan toutes les communautés autochtones. Certains vivent dans des conditions bien plus favorables que d'autres. C'est souvent lié à des facteurs géographiques et je le répète, d'isolement géographique ou pas. Mais en tout cas, sur le plan sanitaire, ces disparités se traduisent également en termes d'espérance de vie. J'ai noté quelques chiffres. Vous voyez par exemple les problèmes d'obésité, de diabète et de cancer sont une source de préoccupation majeure parmi certaines communautés autochtones. En termes de chômage, aux États-Unis, 4,9% de la population en 2016 était au chômage, la population non autochtone, 4,9%, 8,9% pour les autochtones. Au Canada, 54% de la population non autochtone a un diplôme Bac plus 3 au moins, 9% des autochtones ont un diplôme Bac plus 3 au moins en termes d'accès à l'éducation. En termes d'espérance de vie, sur la réserve de Pine Ridge, chez les Indiens Lakota, Oglala, qui est le pire exemple en termes d'espérance de vie, l'espérance de vie pour les hommes est de 66 ans. C'est 12 ans de moins que pour la population américaine dans son ensemble. C'est à peu près l'espérance de vie du Soudan et du Yémen, pour vous donner une idée, aux États-Unis. Parce qu'on parle des États-Unis.
Et j'ai plus trop de temps. Je voulais vous parler des cultures, mais j'ai épuisé mon temps. Sur le plan culturel, il y a également des initiatives extrêmement porteuses et intéressantes. Sur le plan de l'écriture, la réappropriation de l'éducation, hein, avec la création d'écoles tribales est extrêmement importante, et notamment la mise en place de programmes scolaires qui réintègrent les savoirs traditionnels, notamment storytelling, c'est-à-dire l'histoire orale, mais aussi les pratiques, la pêche, la chasse, les pratiques traditionnelles dans les écoles, en faisant venir souvent les anciens, hein, et également une production artistique très intéressante qui prend la forme d'écrits. Je vous passe, oui, je voulais vous parler également des danses, très important la danse, hein, le powo, hein, les powo sont extrêmement populaires, mais c'est une manière pour les jeunes autochtones de reconnecter aussi avec leur culture, hein, et avec la spiritualité qui est liée à ces cultures. C'est pas juste du décorum, c'est pas quelque chose qui est fait pour les touristes au départ, c'est quelque chose qui est profondément spirituel. D'ailleurs, la première chose que le gouvernement canadien, une des premières choses qu'ont fait les gouvernements canadiens et américains pour contrôler les Indiens, c'est d'interdire la pratique de la danse. La danse, c'est la liberté du corps aussi. Et c'est la liberté de disposer de l'espace. Des rappeurs autochtones, les Winnipeg Smurfs ou Superman, qui produisent des formes hybrides qui combinent musique traditionnelle et musique rap ou hip-hop, c'est assez intéressant. Hein. Toutes ces formes hybrides, des créateurs de mode, ce sont des images que j'avais prises à New York il y a 2 ans, il y avait une exposition de jeunes créatrices et créateurs de mode amérindiens. On voit bien que ça s'inspire de motifs traditionnels qui sont combinés avec des motifs asiatiques dans un cas, je pense, hein, et européens dans l'autre. Il y a des artistes qui produisent des tableaux, des réinterprétations du drapeau américain, comme cette peau d'ours. Alors c'est souvent un détournement des symboles, justement, qui sont les symboles du colonisateur. Hein. Sur la diapo précédente, c'est le cadavre du chef Bigfoot à Wounded Knee, qui a été tué à Wounded Knee. Les soldats avaient pris des photos qui se sont vendues sous forme de cartes postales ensuite, à la fin du 19e siècle, des Indiens morts dans la neige. Et George Longfish, qui est un artiste Seneca, il en a fait un tableau dans lequel il réinterprète cette carte postale et le sens qu'elle a, qui est profond pour les communautés autochtones. Des écrivains, ceux d'entre vous qui le souhaitent, si vous me donnez vos coordonnées, votre email, je peux vous envoyer cette liste dont je voulais vous parler de certains écrivains. Je vous assure, lisez certains auteurs autochtones comme Moma Day, comme James Welch, voyez, comme Louise Erdrich, dont certains d'entre vous auront entendu parler. Sherman Alexie, fabuleux les nouvelles de Sherman Alexie, extrêmement intéressant. Richard Wagamese, Thompson Highway, qui sont Ojibwe et Cree pour Thompson Highway, qui ont écrit 2 romans merveilleux auxquels je m'intéresse particulièrement en ce moment, Indian Horse, Kiss of the Fur Queen. Ils sont à la bibliothèque universitaire, je les ai fait acheter en anglais et en français, puisqu'ils ont été traduits tous les deux. Pour les rendre accessibles à tout le monde, ce sont de vraies expériences de lecture parce que ces auteurs, ces artistes créent des formes hybrides qui participent à la reconstruction, de ces identités culturelles, de ces identités collectives et individuelles qui ont été, pas brisées, mais qui ont été enfouies par ces politiques d'assimilation. Il y a une résurgence, j'aime bien cette idée de résurgence, si vous voulez, des identités et des mémoires autochtones au Canada et aux États-Unis, et la production artistique en est un des principaux facteurs. Des cinéastes également, Jeff Barnaby, Georgina Lightning, il est Micmac, elle écrit. Ils ont réinterprété l'histoire des pensionnats du Canada sous forme de films d'horreur. Ils ont emprunté les codes du film d'horreur, du film de zombies, pour exprimer l'horreur des pensionnats autochtones du Canada et des États-Unis. Mais ce sont toujours des formes métissées, des formes hybrides qui se réapproprient les outils dont le colon a tenté de se servir pour détruire l'Indien et l'assimiler, afin de créer de nouveaux moyens d'expression au service des collectivités autochtones. On the Ice, c'est merveilleux. C'est un thriller qui se passe sur une réserve Inupiaq. Les Inupiaq, ce sont les Inuits qui habitent en Alaska. Ce sont des jeunes, ça se passe en 2012, je crois, donc c'est très contemporain. Hein. Et ce sont des jeunes qui partent à la chasse aux phoques, un accident se produit, il y en a un qui meurt et les 2 autres vont couvrir le meurtre. C'est un meurtre, en fait.
vont essayer de couvrir le meurtre qu'ils ont commis, sauf qu'ils habitent une petite réserve Inupiaq au milieu de la glace, une espèce de microcosme, de petit monde, où il est quand même très difficile de cacher une vérité. Et ce réalisateur Inupiaq, qui met en scène des paysages et des modes de vie qui sont ceux de la communauté autochtone à laquelle il appartient, dans un thriller très moderne, c'est assez intéressant. Ou Zacharias Kounouk, qui est inuit et qui, dans Atan Arjouat, propose une réinterprétation d'une légende séculaire inuit sous forme... cette légende séculaire, quand vous regardez Atan Arjouat, vous avez l'impression de voir un polar moderne. Et pourtant, ça se passe avant l'arrivée des Européens, dans le Grand Nord canadien. Voilà, il avait eu la caméra d'or à Cannes, Kounouk. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il ne savait même pas que Cannes existait. Il ne savait même pas où était Cannes. Il n'avait pas fait le film pour aller à Cannes. Voilà. Quelle possibilité de réconciliation ? Eh bien, la réconciliation au Canada, il y a eu une commission de vérité et réconciliation de 2008 à 2015 pour essayer de travailler sur les pensionnats indiens et les survivants des pensionnats indiens, sur la notion de guérison, mais au sens autochtone de guérison, rétablissement des liens et rétablissement de l'harmonie qui a été brisée. Cette commission a duré 7 ans. Les commissaires, dans leur rapport final qui fait 6 volumes, ont émis 94 recommandations à l'attention du gouvernement canadien. Justin Trudeau, qui venait d'être élu en 2015 quand la commission a rendu ses conclusions, avait promis de les mettre en application pour la plupart. Certaines ont été appliquées, d'autres pas. Il s'est heurté aussi face à des impossibilités ou des difficultés. Toujours est-il que vérité et réconciliation, cette commission de vérité et réconciliation a posé certaines vérités, plusieurs vérités sur les pensionnats, parce qu'il n'y a pas une vérité, nous le savons tous, historique sur un phénomène. En termes de réconciliation, c'est moins simple parce que finalement, on ne peut pas poser quand on a souffert ce type de traumatisme, sa vérité ne veut pas dire qu'on puisse être réconcilié avec les systèmes et les structures qui sont responsables du traumatisme qu'on a subi. Et les structures coloniales, elles existent toujours au Canada et aux États-Unis. Ce sont des pays qui n'ont pas été décolonisés, hein, au même titre que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Donc ça pose ce type de problème. Et la réconciliation, la définition qu'en donne la Commission Vérité et Réconciliation du Canada est très intéressante. It's an ongoing process. C'est un processus qui ne termine jamais, qui nécessite une remise en question des communautés autochtones et allochtones permanentes. Voilà, tout ce que j'espère avoir montré lors de mon intervention, c'est que cet immobilisme des communautés autochtones face à l'assimilation n'est qu'un autre mythe du colonialisme. Il n'a jamais existé. Elles ont toujours résisté avec des outils plus ou moins efficaces et elles mettent en place, elles sont ressaisies de leur avenir, de leur perspective d'avenir, ce qui leur donne, à mon sens, des raisons de croire, hein, de croire à travers une production artistique extrêmement dynamique et qui est de plus en plus diffusée, à travers des prises de position sociales et politiques qui leur donnent un plus grand accès à l'autonomie et une voix dans des sociétés qui ont tenté d'étouffer leur voix pendant plusieurs siècles, finalement. Et si on a le temps pour des questions, et si vous en avez, je serai ravi. Je suis désolé d'avoir un peu dépassé. J'ai une question à poser sur l'implication des... Je suis là. L'implication des communautés autochtones dans le processus de protection de l'environnement. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Le lien entre identité et environnement est essentiel à comprendre. Par contre, il faut se méfier de l'essentialisme qui consiste à réduire les questions d'autochtonie à l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce ne sont pas que des questions d'environnement. Il se trouve que ces communautés habitent très souvent sur des zones dites sensibles sur le plan environnemental, parce qu'ils ont la malchance souvent d'avoir été expropriés sur des territoires qui offrent des richesses naturelles, voilà, des ressources naturelles qui intéressent les nations. Mais dans leur mode de pensée, c'est vraiment lié à leur identité et
à la dimension spirituelle, religieuse, spirituelle aussi du territoire, plus qu'à une dimension, pas uniquement à une dimension économique au sens où nous l'entendons nous, si vous voulez. Donc forcément, les questions d'environnement se posent, mais elles ne sont pas ce à quoi la question d'autochtonie saurait se résumer. Je trouve qu'il faut qu'on fasse très attention. On entend souvent parler, on a entendu parler de l'Amazonie, de Bolsonaro et de ce qui se passe en Amazonie. On pourrait parler de la Guyane française. Hein. Les industries extractives en Guyane française, c'est catastrophique, absolument, ce qui se produit. Mais les peuples autochtones ne ciblent pas leurs revendications uniquement sur cet aspect. Ça fait partie de leurs revendications. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Allez-y. Vous avez montré le phénomène aux États-Unis pour empêcher le passage. L'oléoduc, oui. L'oléoduc. On sait qu'au Canada, avec l'exploitation également pétrolière et tout, il y a des pollutions énormes. Est-ce que les communautés différentes s'unissent, ont un poids sur le plan politique au niveau des États ou du gouvernement central ? Oui, il y a des initiatives. Il y a des initiatives, tout à fait. Par exemple, au Canada, l'Assemblée des Premières Nations milite pour la protection des ressources en eau potable, notamment. Souvent, il s'agit de la pollution des nappes phréatiques et des ressources en eau potable. Donc oui, il y a des initiatives. Après, vous dire qu'elles sont efficaces, non, leur efficacité est très relative. Elle est très relative parce que, j'ai pas eu le temps de vous montrer les photos, mais enfin, sur de nombreuses réserves, les conditions de logement sont épouvantables. Sur certaines, elles sont très bonnes, sur d'autres, elles sont épouvantables en termes sanitaires, en termes d'accès à l'eau potable. Non, elles sont pas bonnes. Et elles sont pas bonnes pourquoi ? Parce qu'à proximité de ces communautés, il y a des industries extractives, minières, pétrolières, mines d'or, les Indiens Spokane, par exemple, dans l'État de Washington, aux États-Unis, avec un taux de cancer supérieur à la moyenne nationale. J'ai parlé du diabète et des maladies cardiovasculaires, mais le cancer. Hein. Sur le plan économique, j'ai pas eu le temps de... C'est pas une question d'environnement, mais j'avais pris une photo sur la réserve Navajo l'année dernière que j'avais mise là dans le PowerPoint. Dans la ville de Kayenta, sur la réserve Navajo, qui est au milieu de nulle part, en Arizona, il faut bien dire, en Arizona, oui, entre l'Arizona et l'Utah, au milieu de cette immensité, il y a une petite ville qui s'appelle Kayenta, qui est constituée de mobilhomes, de trailers. Ils habitent tous dans des mobilhomes, quasiment, hein, quasiment. Et il y a 4 commerces à Kayenta. Il y a un supermarché dans lequel on trouve plutôt moins de choix, on a plutôt moins de choix que dans les supermarchés moyens américains, et il y a McDonald's, Taco Bell et Burger King. Voilà, les 3 à la queue leu-leu le long de la route principale. Donc, vous comprenez les problèmes de diabète, d'obésité. Et après, quand il y a effectivement des industries extractives très polluantes, il y a tous les problèmes liés à l'exposition à la surpollution de l'environnement. Donc, il y a une forme militante, il y a des actions militantes, mais elles sont relativement... Non. Enfin, il y a un pouvoir politique des communautés autochtones, mais... Il est souvent noyé, voilà exactement, hein, dans des préoccupations d'ordre financier, hein, des histoires de gros sous, finalement. L'oléoduc du Dakota, c'en est un exemple. La Cour suprême a donné raison au départ sur certains points aux Indiens Lakota. Sur les points essentiels, elle leur a donné tort. Donc l'oléoduc est entré en service. D'abord, merci pour cet exposé, effectivement, très, très, très clair. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une difficulté, une contradiction entre l'aspiration légitime de ces peuples autochtones, qu'ils soient indiens ou inuits, à vouloir retourner à leurs sources, c'est-à-dire retrouver un mode de vie traditionnel, dans un environnement qui ne le permet peut-être plus, parce que vivre de la chasse au bison actuellement, ça paraît un peu compliqué. Est-ce que les Inuits pourront longtemps vivre de la chasse avec le réchauffement ? Et peut-être aussi la nécessité économique, parce qu'il faut bien vivre, d'intégrer le monde du travail, c'est-à-dire en dehors de ces structures. Alors, oui, je vais être plus clair que je ne l'ai été. Je ne voudrais surtout pas que vous sortiez d'ici en croyant que tous les autochtones veulent retourner à un mode de vie traditionnel. Ça serait faux. Ça serait totalement faux. Il y a une impossibilité de retourner à un mode de vie
tel qu'il était avant la colonisation des États-Unis et du Canada. Il y a par contre une nécessité de rétablir des liens avec des pratiques traditionnelles qui peuvent être compatibles avec une économie moderne, avec une société moderne. Elles ne sont pas toujours incompatibles. Après, en termes d'employabilité et d'accès à l'emploi, encore faudrait-il qu'il y ait des emplois accessibles à certaines communautés autochtones. Par exemple, quand vous habitez, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a cette communauté d'Attawapiskat que je prends souvent en exemple dans le nord de l'Ontario. Attawapiskat, la route la plus proche, elle est à 500 km. Il n'y a rien à faire à Attawapiskat, il n'y a pas d'emploi. Les rares emplois qu'il y a, c'est le conseil tribal qui emploie quelques personnes de la réserve, les autres, elles sont au chômage. Il y a un taux d'alcoolisme absolument vertigineux, un taux de suicide chez les jeunes incroyable. En 2016, sur une communauté de 2000 habitants à Attawapiskat, c'est donc une communauté Cree, sur 2000 habitants, en l'espace de 6 mois, il y a eu 200 suicides ou tentatives de suicide, la plupart chez des jeunes de moins de 18 ans. Donc ce désœuvrement, il est absolu dans certaines communautés et il est très lié à l'éloignement géographique extrême qui, si vous voulez, ne rend pas possible l'accès à des emplois notamment ou à une éducation de même niveau que celle des populations non autochtones. Mais il n'y a pas de volonté de revenir à des modes de vie strictement traditionnels, même chez les Inuits d'ailleurs. Après, les communautés inuites arrivent à combiner tout de même la préservation d'un certain nomadisme à certaines périodes de l'année, les périodes de la chasse aux phoques notamment, et un mode de vie plus sédentaire aux périodes où ils n'ont pas besoin de se déplacer autant. Il n'y avait pas de rejet d'éducation non plus. Quand j'ai parlé des pensionnats indiens, les autochtones ont vite demandé, beaucoup de communautés ont demandé l'accès à l'éducation, parce que beaucoup de chefs autochtones au 19e siècle se sont aperçus que sans l'éducation des blancs, les Indiens étaient perdus, qu'ils étaient voués à la destruction. Sauf qu'ils avaient imaginé des structures respectueuses de leurs pratiques culturelles et de leurs pratiques religieuses. C'est pas du tout, on leur a vendu quelque chose qui n'a pas du tout correspondu avec la réalité, puisqu'il s'est agi de détruire les structures qui étaient les leurs. Donc il y a eu du prix, une fois de plus, il y a eu tromperie sur l'éducation des Indiens au Canada. L'éducation des Indiens au Canada, je parle beaucoup du Canada parce que je travaille plus sur le Canada que les États-Unis. L'éducation des Indiens au Canada, elle est inscrite dans les 11 traités numérotés. Il y a une promesse du gouvernement, un engagement du gouvernement à l'époque, fait de la couronne britannique et du gouvernement canadien, à mettre en place des structures éducatives. Pas celles qui ont été mises en place. En plus, vous vous doutez bien que ce n'est pas un hasard s'il s'agissait de pensionnats. Le but du jeu, le but de la manœuvre, c'était d'éloigner le plus possible l'enfant de sa famille et de sa communauté. Je voudrais que vous me parliez du sucre, justement. C'est pas grave. Du sucre, vous avez parlé. Oui, le sucre, oui. Le sucre, voilà. Eh bien, le sucre, il n'y a pas... Je ne peux pas vous dire grand-chose, si ce n'est que... vous savez très bien que le sucre et le sel sont des substances addictives. Nous savons tous que dans la nourriture que nous achetons, qui est la nourriture transformée, de nombreuses entreprises choisissent de sursaler la nourriture ou d'employer plus de sel que nécessaire pour nous rendre dépendants. Le principe du sucre, c'était le même. Les communautés autochtones n'utilisaient pas le sucre. On a introduit le sucre, qui est fortement addictif, et on a utilisé le sucre, entre autres, pas uniquement, pour ensuite négocier avec elles ou les rendre dépendantes des denrées qui leur étaient fournies par les administrations coloniales. On cite le sucre, on pourrait citer l'alcool également, tout un tas d'objets utilitaires dont les Indiens se sont vite emparés pour faire à manger, notamment tous les ustensiles de cuisine. Il ne faut pas croire que les femmes autochtones, au XVIIe, XVIIIe, rejetaient les ustensiles de cuisine. Non, non, elles trouvaient que ça leur facilitait la vie. Enfin, je dis les femmes, mais il ne faut pas croire que les hommes autochtones ont rejeté l'accès aux armes à feu. Quand ils ont pu avoir accès aux armes à feu, ça leur facilitait la vie. Ils n'étaient pas idiots, les autochtones. Ils avaient des besoins. Ils savaient très bien quels étaient les moyens les plus aisés de subvenir à ces besoins. Alors, moi, je voudrais vous féliciter d'abord pour la clarté et la puissance de votre exposé.
C'est gentil. Et merci. Je voulais simplement rappeler la chose suivante pour les Palois, qu'il y a eu en juin 2006 à Pau, au Palais Beaumont et au Parc Beaumont tout autour, pendant une semaine, un forum international des peuples autochtones unis, le FIPO, qui malheureusement n'a pas eu très beau temps, mais en plus qui a surtout été rejeté par une partie des habitants palois qui se prétendent progressistes. Et c'était fort dommage. Et ceci dit, cet événement a marqué les esprits de certains, et j'en suis. Voilà. C'est bien de le préciser. Très bien de le préciser. Je vous remercie beaucoup à tous de votre attention, et je suis heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous.